Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je commence toujours par me faire un petit café avant de faire quoi que ce soit. Et c'est parti pour le petit déjeuner. Je vais me faire une omelette sucrée. Je casse 2 œufs et je rajoute 2 blancs d'œufs que j'avais congelés d'une autre préparation. Zéro perte. Je rajoute un petit peu d'édulcorant. Je mets 2 ou 3 sprays d'huile et pendant que la poêle chauffe, je coupe une banane en rondelles. Et c'est parti pour la cuisson. Je la fais bien cuire, je n'aime pas du tout les omelettes baveuses. Je rajoute les rondelles de banane. Et pour la gourmandise, 15 g de pépites de chocolat. Voilà une belle omelette sucrée, banane chocolat. Je rajoute un yaourt et 2 tranches de pain WW. Pour le repas du midi, j'avais envie de quelques légumes à la poêle. Je vais commencer par faire cuire des tomates, quelques petits sprays d'huile d'olive, du sel et du poivre et de l'ail et persil. C'est parti pour la cuisson. Je rajoute une boîte de champignons qui m'avait vraiment agacée. Je rince bien. Une boîte d'haricots verts. Et c'était une journée de boîte de conserve rebelle. Je rince correctement. Pour les protéines, je me fais du poisson. Un bon petit pavé de saumon. Tout simple à la poêle. Un peu de sel, un peu de poivre. 2 ou 3 sprays d'huile d'olive. Et c'est parti pour la cuisson.
Je mets le poisson sur le plus petit feu pour éviter qu'il brûle. Une fois les tomates cuites, j'ai rajouté les haricots verts et les champignons. Je viens rajouter 4 cuillères à soupe de boulgour que j'avais déjà fait cuire. Et voilà une jolie assiette. Pour le goûter, je vais manger une tranche de gâteau girafe. Vous trouverez la recette dans le petit i en haut de l'écran. Et voilà. Et oui, déjà le soir. Je vais me faire un bol cake salé. Je casse un œuf, je rajoute 30 g de semoule fine. Un petit peu de levure chimique. Je rajoute un carré frais ail et persil. Deux cuillères à soupe de lait écrémé. Et 100 g de yaourt nature. J'assaisonne. Je rajoute 50 g d'allumettes de bacon. Je coupe 5 tomates cerises en deux et je les rajoute à la préparation. Et c'est parti pour 7 minutes en micro-ondes. Il me restait des poires, je les coupais en petits morceaux et je rajoute mon yaourt. Je prends toujours un yaourt à chaque repas. Je récupère le fond, zéro perte. Je me suis préparé aussi une soupe que j'avais faite la veille. On passe au démoulage. Et voilà un beau bol cake. Je rajoute un petit peu de poulie de tomate. Et voilà encore un repas bien équilibré et rapide. Je profite de cette vidéo pour vous montrer comment je fais le skyr maison avec le cookéo. Je mets 125 g de skyr. Je positionne ma balance en millilitres. Et je rajoute 775 ml de lait écrémé. Je fouette bien la préparation.
Ce qui est important, c'est d'avoir les produits à température ambiante. Je mets mon petit bol dans le cookéo. L'eau est en train de bouillir. Je rajoute aux 3/4 Je ferme le cookéo pour toute la nuit. Sans l'allumer. Moi, je le fais goûter avec ça. Mais si vous n'en avez pas, il suffit de faire comme ça. Voilà un skyr qui a bien pris pendant la nuit. Et qui égoutte déjà. Je retourne dans un plat. J'enlève délicatement le sopalin. J'ai pesé, j'ai récupéré 350 g de skyr. À l'aide d'un entonnoir, je vais récupérer le petit lait. J'ai récupéré 250 ml et je m'en sers pour faire des gâteaux. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et un petit commentaire. Merci à vous, à bientôt. Bye bye.